Gisèle Mansoury, je dirige l'école d'Innov Naturopathie, l'école de la médecine, je vais dire médecine fonctionnelle, mais c'est de la naturopathie fonctionnelle. Disons que notre école aborde, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, que nous abordons la naturopathie du point de vue fonctionnel. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo suite à l'entretien que nous avions eu avec le docteur Anthony Fardé à propos de l'approche réductionniste versus l'approche holistique. Donc, au travers de cet échange fort sympathique, d'ailleurs, avec le docteur Anthony Fardé, que je remercie énormément d'avoir accordé un petit peu de temps à notre chaîne pour discuter justement de ces différentes approches en termes de recherche et en termes d'études de la nutrition, le sujet qui nous concerne. Au travers de cette vidéo, nous avons échangé sur pas mal de sujets, et notamment il y a quelque chose qui a un petit peu heurté, si on veut dire, la sensibilité des gens qui sont habitués au point de vue, disons, philosophique de l'école de Innov Naturopathie, à savoir l'approche vis-à-vis des protéines. Le docteur Anthony Fardé, dans la vidéo, fait mention à un moment donné de protéines végétales en disant qu'il préconisait, bon, pour lui, il est clairement établi que la nutrition humaine devrait être flexi, enfin ce qu'il appelle flexivore, ou je ne connais plus trop la définition, je ne me souviens plus trop du terme qu'il avait abordé, mais pour dire que finalement l'être humain ne peut pas être végétarien, donc sur ce point il était d'accord, mais à un moment donné il a abordé le point de vue de la protéine végétale en disant que une des variantes des critères qu'il utilisait pour donner des conseils en termes de nutrition, c'était les 3V. Dans les 3V, il y avait le végétarien. Donc, dans le végétarien, à un moment donné, il nous parle d'associer les légumineuses et les céréales pour pouvoir donner, selon lui, un apport protéique qui pourrait être, selon son approche à lui, l'équivalent de la protéine animale. Donc, pour nous, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour nous, l'alimentation optimale, elle contient, on va être d'accord avec lui, à la fois des aliments végétaux et des aliments animaux. Mais en ce qui nous concerne, la qualité des protéines, elle est fonction de la biodisponibilité. Et en ce sens-là, je vais expliquer pourquoi le mélange spécifique d'acides aminés de la protéine particulière en termes d'approche végétarienne n'est pas la solution. Le fait d'associer la protéine végétale des légumineuses et la protéine végétale des céréales ne donnera jamais, en aucun cas, l'équivalent de ce que pourra apporter la protéine animale. Et ça, je vais l'expliquer pourquoi. Le premier des points, en fait, c'est la biodisponibilité. Pour nous, en fait, si vous voulez, les scientifiques, ils utilisent depuis un petit moment une échelle qui est appelée score des acides aminés indispensables digestibles, ou DS, pour évaluer les protéines en utilisant le profil des acides aminés et les critères de biodisponibilité. Donc, c'est assez important de comprendre que quand vous consommez de la protéine, la protéine, une fois qu'elle est décortiquée, une fois qu'elle a été digérée, elle nous donnera ce qu'on appelle, nous, des chaînes d'acides aminés. Et c'est super important à comprendre parce qu'en fait, c'est de ce point de vue que le docteur Fardé part en disant qu'il y a un facteur limitant dans les protéines végétales et que pour combler justement ce facteur limitant, il fallait les associer. Bon, selon nous, en fait, si on s'en réfère aux critères DS, donc de ce qu'on a appelé le score des acides aminés indispensables et digestibles, il faut savoir que par exemple, dans ce genre de test, dans ce genre de mesure qui est la mesure des acides aminés indispensables et digestibles, on peut prendre certains exemples pour vous démontrer à quel point la protéine animale est supérieure à la protéine végétale. Il faut savoir que pour les œufs, le score obtenu avec le DS, c'est de 1,13, ce qui est excellent. C'est-à-dire que l'œuf, pour nous,
pardon, c'est la base de référence parce que c'est l'une des protéines les mieux notées sur l'échelle et donc c'est considéré être la protéine la plus complète. Ensuite, on pourrait avoir juste en dessous le bœuf. Lui, il a un score de 1-10. Et pour vous donner un ordre de comparaison, la cacahuète, elle obtient un score de 0,46. La cacahuète est considérée, selon nous, comme une légumineuse. Et si on prend aussi le score du blé entier, on est à 0,2. Donc, en termes de qualité de protéines, on voit bien, par exemple, si on prend l'avoine aussi, le score est de 0,43. Donc, on voit très bien là, à ce niveau-là, qu'il n'y a pas comparaison. Je veux dire, en termes de biodisponibilité, les protéines animales sont de bien meilleure qualité que les protéines végétales. Et c'est en fait vrai, parce qu'en fait, chaque protéine animale qui se trouve sur l'échelle, l'échelle DS, comme je viens de le dire, elle est toujours beaucoup plus élevée que la protéine végétale. Donc, même si vous faites, mettons, on va dire, le truc basique, vous faites un sandwich avec du beurre de cacahuète, vous n'aurez pas le même apport en termes de protéines que ce que vous pourrez obtenir du point de vue animal. Donc, toutes les protéines, nous, on sait pertinemment que les protéines, si vous voulez, elles proviennent de bactéries, mais pas des plantes. J'avais expliqué dans deux articles, notamment l'article qui comparait le système digestif de l'animal, du gorille et de l'être humain, et aussi l'article où j'expliquais pourquoi les vaches ne mangent pas de l'herbe. J'avais expliqué dans ces vidéos qu'en fait, les animaux, enfin ces animaux-là, ces herbivores, entre guillemets, ne consommaient pas l'herbe, mais consommer les bactéries. Je m'explique. C'est-à-dire que si un animal consomme, comme on va prendre l'exemple du gorille, si le gorille va consommer 20 kg de feuilles de bambou, ce n'est pas les feuilles de bambou qui vont le nourrir, ce n'est pas les feuilles de bambou qui vont lui donner la protéine. Ça va juste donner ce que nous, on appelle la cellulose. Et la cellulose, en fait, si vous voulez, elle est ensuite, elle, digérée par l'animal, chose que nous, êtres humains, nous ne pouvons pas faire. Et une fois qu'elle est digérée, elle sert d'aliment aux bactéries qui se trouvent dans le système digestif du gorille. À ce moment-là, ces bactéries vont se nourrir de la cellulose. Et c'est une fois que les bactéries auront consommé cette cellulose et qu'ensuite elles auront décédé, que le gorille, lui, consomme les bactéries. Et en fait, c'est les bactéries qui vont donner justement cet apport en protéines. Donc, les bactéries, elles absorbent, si vous voulez, l'azote de l'atmosphère et elles sont consommées par les racines des plantes lorsqu'elles se nourrissent de carbone. Les bactéries, ensuite, elles meurent également et leur nécromasse, comme on dit, elle fournit des acides aminés libres qui sont également absorbés par les plantes. Et donc, les bactéries représentent dans le rumen des bovins, par exemple, qui est une chambre dans son estomac, elles convertissent les glucides en acides gras à chaîne courte que les animaux utilisent ensuite comme source d'énergie. Et les bactéries, au final, comme je viens de l'expliquer, elles meurent dans le rumen et sont également consommées pour l'énergie. C'est ainsi que les bovins et les autres ruminants tirent leurs protéines des bactéries. Et cela explique pourquoi le niveau d'acides aminés qui sont les éléments constitutifs des protéines sont tellement plus élevés dans les viandes que dans les plantes. Nous, si vous voulez, on va manger le convertisseur, c'est-à-dire l'animal qui a consommé ces plantes, et on va se nourrir des protéines qu'elle aura elle-même fabriquées. Donc c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus efficace de le faire comme ça. Et donc, je serais d'accord avec la déclaration, par exemple, selon laquelle les animaux sont les intermédiaires, mais je ne dirais pas qu'ils ne sont que les intermédiaires, parce que il est étonnant que les animaux puissent convertir les nutriments des plantes qui ne sont pas comestibles pour les humains, comme les graminées, les plantes herbacées, en source de protéines hautement biodisponibles et concentrées dont notre corps se nourrit. Donc c'est exactement l'intérêt de manger des animaux, car ce sont des intermédiaires extrêmement efficaces qui convertissent les nutriments non comestibles en nutriments hautement biodisponibles. Donc c'est pourquoi les produits d'origine animale occupent une place importante dans l'alimentation humaine. Rappelons aussi que l'être humain a un système digestif plus court et que le fait d'avoir de l'acide chlorhydrique dans l'estomac et d'avoir un système beaucoup plus court et surtout un estomac beaucoup plus petit va nous contraindre, nous, à limiter les quantités d'aliments qu'on va manger. On ne peut pas manger 30 kg
de bambou dans la journée et passer la moitié de notre journée à manger du bambou et prétendre derrière que on va pouvoir tirer les aliments de ces plantes. Donc il faut comprendre l'intérêt d'avoir un apport alimentaire avec une haute densité nutritionnelle et que dans ce sens-là, le fait qu'on ait un estomac beaucoup plus petit que l'animal va nous contraindre justement à manger des aliments avec une haute densité nutritionnelle. Et comme on l'a vu sur l'échelle DS, on se rend bien compte là que la protéine animale, elle va être beaucoup plus efficace et donc on aura besoin de manger une plus petite quantité mais qui va être efficace et qui va être suffisante surtout pour nous apporter les nutriments et donc l'énergie et donc les matières pour pouvoir construire du muscle, etc. etc. Donc, si vous voyez par exemple des gens qui font, on va prendre l'exemple des gens qui font des cures avec des aliments végétaux, on pourrait donner un exemple vis-à-vis de la bêta-carotène. Pour changer, pour sortir un petit peu de la protéine, je vais prendre autre chose, je vais prendre un antioxydant. Donc la bêta-carotène, on sait pertinemment qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des cures de jus de carotte, etc., pour justement essayer de voir s'ils peuvent augmenter leur niveau d'antioxydants, et notamment en bêta-carotène. Mais on s'est rendu compte en fait que dans des études, elles ont montré que le rétinol, par exemple, alimentaire, on sait que les personnes sont incapables de convertir le bêta-carotène en rétinol aussi efficacement. Et on s'est rendu compte à travers des études que le rétinol alimentaire diminue le risque de fracture de hanche chez les femmes, par exemple, mais pas le bêta-carotène alimentaire. Donc, c'est encore un de ces points qui vient et qui me pousse à dire que la protéine animale est largement supérieure à la protéine végétale. C'est que, au-delà même de la protéine, on se rend compte, par exemple, avec cette étude qui a étudié la rétinol et le bêta-carotène, que c'est un signe chez les personnes qu'elles ne sont pas capables de convertir le bêta-carotène en rétinol, surtout le bêta-carotène végétal. Et donc c'est le rétinol, la forme active de la vitamine A, qui remplit vraiment les fonctions les plus essentielles de ce nutriment. Et le rétinol se trouve vraiment que dans la viande, dans le lait et dans les organes des animaux. Donc là, c'est encore un point. Et encore une fois, bon, ces déclarations, elles peuvent être trompeuses, mais la qualité des protéines, comme je l'ai mentionné, elle est fonction du profil des acides aminés et de la biodisponibilité. Et les protéines végétales sont inférieures aux protéines animales sur les deux plans. Ce n'est pas controversé de le dire. Et il est bien établi dans la littérature scientifique et accepté par les principales organisations sanitaires et le gouvernement du monde entier. Et cela se reflète dans les échelles de qualité des protéines, comme le PDCAAS. C'est Protein Digestibility Corrected Amino Score, qui était l'échelle utilisée auparavant, et elle est maintenant remplacée par celle que l'on vient de mentionner au début, l'échelle DS dont nous avons parlé au tout début de cette vidéo. Donc la déclaration aucune personne crédible n'a jamais soutenu le fait que les protéines végétales sont inférieures parce qu'elles ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. L'affirmation soutenue par la science, c'est que les protéines végétales contiennent des quantités d'acides aminés essentiels qui sont importantes pour la construction musculaire. Donc, pour revenir au point de vue des acides aminés essentiels, les protéines et les aliments sont constitués, comme vous le savez, d'une combinaison de 20 acides aminés. Et notre corps peut en fabriquer 11, ce qui signifie que nous n'avons pas à les obtenir à partir des aliments, et ceux-ci sont appelés acides aminés non essentiels. Les 9 autres que nous ne pouvons pas fabriquer qui ne peuvent pas être fabriqués par le corps, en fait, elles doivent être consommées dans l'alimentation, et celles-ci sont appelées acides aminés essentiels, ou EAA. Donc, la synthèse des protéines musculaires, elle dépend des 20 acides aminés, mais les acides aminés essentiels, elles jouent un rôle disproportionné. En particulier, on pense à la leucine, active plus fortement dans la signalisation anabolique et la synthèse des protéines musculaires. En plus d'avoir des quantités plus faibles de leucine, de nombreuses protéines végétales ont des acides aminés limitants, ce qu'on appelle nous le facteur limitant dans les protéines végétales. Et cela signifie donc que les niveaux de certains acides aminés sont si bas qu'ils peuvent interférer avec la synthèse des protéines.
Ainsi, si on prend un exemple, c'est que la lysine est un acide aminé limitant dans les céréales, donc un acide aminé qui va être manquant dans les choses comme le blé et le riz. Et la méthionine et la cystéine, elles ont tendance à être des acides aminés limitants dans les légumineuses. Et en fait, si vous voulez, la chaîne d'acides aminés, elle va toujours se faire au facteur limitant le plus bas. Je vais essayer d'expliquer ça d'une manière assez limpide. Si vous voulez, si on prenait un exemple où on devait faire des drapeaux français, donc pour faire le drapeau français, il va nous falloir du bleu, il va nous falloir du rouge et du blanc. Donc mettons j'ai 50 rouges, j'ai 30 bleus et je vais avoir 10 blancs. Il est assez évident que je ne pourrais faire que 10 drapeaux, vu que je n'ai que 10 blancs. Donc si on considère que le drapeau français est fait du bleu, blanc, rouge, donc le fait d'avoir un facteur limitant blanc à 10 va faire que je vais abaisser la qualité de mes drapeaux et la quantité de mes drapeaux au facteur de 10, c'est-à-dire que je ne pourrais faire qu'au plus petit facteur limitant, c'est-à-dire je ne pourrais faire que 10 drapeaux, étant donné que je n'ai que 10 blancs, donc 10 blancs, ça va me faire 10 possibilités de faire bleu, blanc, rouge. Donc voilà. Et les acides aminés, c'est exactement la même chose. Si on regarde les tableaux qui comparent le profil d'acides aminés essentiels dans un aliment comme le bœuf, à d'autres protéines végétales comme les haricots, le pois, le riz, vous verrez que le bœuf est plus riche en chaque acide aminé essentiel que n'importe lequel des autres, enfin, des autres protéines végétales. Donc la seule exception, par exemple, le docteur Fardé fait mention du soja, il est légèrement plus riche en tryptophane que le bœuf, on va dire. Mais là, il faut revenir, justement, c'est là que nous, on parle de qualitatif et non de quantitatif. Ce n'est pas parce que je vais avoir cet acide aminé beaucoup plus élevé dans le soja que forcément le soja va être supérieur au bœuf. Ça, c'est hors de question. Donc, compte tenu de tout cela, il est possible d'obtenir suffisamment d'acides aminés essentiels à partir d'aliments végétaux pour une personne ordinaire ou un athlète de compétition. Je ne crois pas. Ils peuvent combiner différentes protéines végétales avec différents profils d'acides aminés pour obtenir une protéine plus complète. Mais les haricots et le riz sont un exemple classique. On sait par exemple au Brésil, ils en mangent énormément de ça. Ils mélangent les faillots et le riz. Et le riz, en fait, on le sait, il est pauvre en lysine, tandis que le soja, lui, il va être pauvre en méthionine. Donc si vous combinez le soja et du riz, on peut dire que voilà, on va faire ce qu'on disait au début, c'est qu'on va combler les facteurs limitants de chacun. Mais bon, le profil d'acide aminé du mélange 70-30, on va dire, donc 70% de pois et 30% de poudre de protéines de riz, ça vous donnera un mélange d'acide aminé essentiel similaire aux protéines animales. Ça, c'est encore dans la théorie. Donc la théorie, ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas parce que vous avez l'élément dans l'aliment qu'il va y avoir biodisponibilité. Et ça, c'est super important à comprendre. Donc voilà. Nous, on sait pertinemment que ce genre d'approche en termes de nutrition, de vouloir nous dire que la protéine végétale va être aussi efficace. Et d'ailleurs, je lui ai posé la question au docteur Fardé dans la vidéo, à lui demander pour quelle raison. Et il y a un moment donné, il me parlait donc des maladies chroniques inflammatoires. Et chose que j'ai soulignée moi dans la vidéo, c'est que les études ne tendent pas. J'avais fait un article justement où j'expliquais le fait de comprendre si la protéine animale était dangereuse pour la santé ou si elle était indispensable. Et au travers de recherches bien référencées, je démontre clairement que le problème, ce n'est pas tant la viande, mais c'est la qualité de la viande. Si vous voulez, on ne peut pas comparer une viande qui a été nourrie à l'herbe, un animal qui a été nourri de manière correcte, selon la tradition, qui va manger des végétaux plutôt que des poudres animales mélangées avec des légumineuses, etc., qui vont être super inflammatoires pour l'animal et qui, au final, ça va être rendu dans la viande. Je veux dire,
si on aborde le point de vue qu'on avait défini avec le docteur Fardet, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir cette approche réductionniste et prendre un élément sans regarder le côté qualitatif de cet élément. C'est-à-dire que si je vais considérer la viande, tant qu'à faire, autant prendre une viande de qualité. Et à ce moment-là, je vais pouvoir, moi, faire ce que j'appelle une vraie analyse qualitative et prendre les éléments qui sont comparables, parce qu'on ne peut pas comparer viande et viande. D'ailleurs, la plupart des études qui ont été faites sur le côté inflammatoire ou le côté, on va dire, cancérigène de la viande étaient faites sur des viandes transformées. Et donc, en aucun cas, ça ne regardait le point de vue de la viande de qualitative, la viande qui a été élevée dans les règles de l'art. L'autre point de vue, l'autre grille de lecture, parce que c'est ce qu'il faut comprendre avec des gens comme le docteur Fardet, c'est que ce sont des scientifiques, ce sont des gens qui vont lire les choses au travers d'une grille de lecture. Et donc, ils s'imposent des critères dès le départ. Et l'un des critères qui était évoqué par le docteur Fardet, c'était le point de vue du réchauffement climatique. Donc, pas que du réchauffement climatique, mais si on prend l'approche et le point de vue malthusianiste qui voudrait dire que on est de plus en plus nombreux, ça c'est un fait, hein, je veux dire, on est de plus en plus nombreux sur Terre, et que ce n'est pas tenable. Selon eux, on ne pourra pas nourrir toute la population avec de la viande, et donc il faut trouver d'autres alternatives. Et là, on se rend compte que dans les fameuses autres alternatives, on retrouve toujours les mêmes usual suspects. On va retrouver les Bill Gates, on va retrouver les Natixis, on va retrouver tout un tas de compagnies qui ont un intérêt à prôner cette approche malthusianiste et à nous donner l'impression que d'urgence, qu'il faut absolument que l'on change notre façon de manger. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de propositions de protéines qui nous sont proposées, comme les protéines à base d'insectes, comme la viande synthétique, et le côté végétarien. Bon, le végétarien, on l'a démontré, en aucun cas le végétarien ne pourra remplacer la viande. Et au-delà même de ça, si on venait parler en termes de réchauffement climatique, il faut voir ce que l'on fait à la terre pour produire du soja ou pour produire ne serait-ce quelle légumineuse. C'est une vraie catastrophe. Et donc, il faut aussi se poser la question de quel point de vue partent ces gens. Donc, si on dit que ces gens-là partent d'un point de vue réductionniste qui va se baser notamment sur les études du Club de Rome avec le rapport Meadows. Donc, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Club de Rome. Le Club de Rome, pour moi, c'est un petit peu les pompiers pyromanes. Donc, si on se dit que ce sont ces gens-là, ces industriels, ces oligarques qui nous dictent leur mode de pensée en créant des études comme l'étude qui a été appelée le rapport Meadows, sur lequel va se baser par exemple un organisme comme le GIEC pour nous parler de réchauffement de climatique, pour nous parler d'empreinte carbone, pour nous parler de choses comme ça. Quand on vous parle de carbone, il faut savoir qu'on vous parle du vivant. Si on commence à vouloir réduire le carbone, il faut comprendre que c'est du vivant dont on vous parle. Et que dans ce sens-là, ces gens-là parlent de solutions extrêmes. Je vais vous donner l'exemple du livre de J.P. Holdren, Ecoscience. Et donc ce livre, si vous voulez, Ecoscience, dans ce bouquin, quand vous le lisez, on vous parle de faire un triage, le triage des peuples. Et on prend pour exemple l'Inde, le Pakistan, pas mal de pays comme ça. Et quand on parle de triage, on parle de réduction des populations. Donc, on se rend bien compte que dans notre société, on est face à un mouvement qui réfléchit encore une fois au travers d'une grille de lecture. Et dans cette grille de lecture, comment vous dire ? Ils sont jusqu'au boutiste. Donc, pour eux, problème, solution. Donc, si le problème, c'est le vivant, leur seule alternative à eux, ce n'est pas de réfléchir au mode de vie que nous avons emprunté, au système dans lequel nous vivons, et le remettre en cause. Remettre en cause, par exemple, le fait des banques centrales, le fait de l'impression monétaire ex nihilo, le fait de multinationales qui dirigent et qui imposent un mode de vie, un mode de fabrication, un mode de production qui est complètement mortifère, ça on ne le remettra pas en compte. Par contre, ce qu'ils ont décidé de remettre en compte, c'est de se dire que
comme l'avait dit, je crois que c'est Winston Churchill qui avait parlé de... Non, c'était Bernard Shaw. Bernard Shaw qui fait partie de la Chatham House et de ce qu'on appelle la Tavistock Institute. Si vous voulez, Bernard Shaw, qui est un des pères du socialisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, un de ses enfants, ça a été Tony Blair. On sait pertinemment que lui avait parlé à un moment donné de mangeurs inutiles. Donc c'est comme ça que ces gens-là nous définissent. Ils nous définissent en tant que mangeurs inutiles. Et donc en tant que tel, on représente un vrai problème, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux et il va falloir réduire la population de manière drastique pour pouvoir changer de système, changer de mode de vie, changer de paradigme. Et donc c'est dans ce sens-là que, si vous voulez, beaucoup d'études sont faites au travers de ce prisme, au travers de ce paradigme défini par certaines personnes dont le peuple, je veux dire le citoyen lambda, n'a que très peu connaissance. Et c'est pour ça que je dis souvent, avant de prendre une idée et avant d'absorber des points de vue, il faut toujours les passer au travers du prisme du qui, quand, quoi, comment, pourquoi. Donc, quand on comprend qui nous parle, quand on comprend de quoi on nous parle, eh bien, c'est beaucoup plus simple de se faire une idée de pourquoi on nous parle comme ça. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de recherche, si on n'aborde pas la recherche du point de vue de ce prisme, eh bien, les recherches ne sont pas financées. C'est toujours le même problème. Tout est centralisé de la même manière pour les banques, de la même manière pour la recherche, de la même manière pour l'enseignement universitaire. Tout est complètement centralisé et barricadé. Donc, à ce moment-là, il est difficile d'exprimer un autre point de vue et il est difficile d'avoir une autre idée et une autre approche. Et donc, ce que je veux dénoncer par là, c'est cette approche, ce paradigme qu'on nous a mis en avant et les conclusions que l'on tire. Donc, pour moi, en fait, si vous voulez, il ne s'agit pas de changer de protéines. Je veux dire, quand on aborde le sujet dont on parle aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la protéine. Donc, est-ce qu'on est obligé de tout remettre en compte et tout remettre en question sur le simple fait de ce point de vue, de cette façon, de ce prisme de réflexion, de cette grille de lecture? Est-ce que cette grille de lecture est incontournable? Est-ce que c'est la seule solution? Je ne crois pas, et je ne crois pas qu'on va réinventer les choses, et je ne crois pas que l'être humain, les besoins de l'être humain, peuvent se plier à des points de vue politiques, des points de vue, intéressés de certains groupuscules qui veulent absolument nous pousser dans une espèce de société cybernétique. On le voit de plus en plus avec le sanitaire, on voit très bien vers où on essaie de nous pousser. Et nous, en tant que thérapeute et en tant qu'enseignant de la naturopathie fonctionnelle, on est amené à se poser des questions donc qui vont dépasser juste l'ordre nutritionnel, mais qui vont rentrer dans l'ordre même philosophique. Et c'est dans ce sens-là que dans la vidéo avec le docteur Fardé, on prônait justement le fait de ramener une autorité spirituelle au-dessus du pouvoir temporel. Et tant qu'on aura cet inversement de valeur, et tant qu'on aura ce pouvoir temporel qui a pris le dessus sur l'autorité spirituelle, les décisions ne seront pas prises pour le bien commun, mais elles seront toujours prises pour des biens particuliers. Et c'est vraiment ce qui pose problème. J'ai pas eu le temps de développer ça dans la vidéo avec le docteur Fardé, et c'est pour ça que je voulais le faire dans cette vidéo, parce que sinon on aurait dévié complètement de notre approche. Mais le fait est, et le point intéressant dans cette vidéo que nous avons réalisée tous les deux, c'est que on a parlé d'un des acteurs de ce changement de mode de pensée qui a été Descartes. Et c'est pas le seul, je l'explique d'ailleurs dans la vidéo, on peut parler de Hobbes, on peut parler de... Enfin, je veux dire, ils sont pas mal comme ça. Et donc, c'est à ce moment-là, si vous voulez, et même un petit peu avant, qu'il y a eu une déviation dans notre mode de pensée. Et on est rentré dans quelque chose d'idéologique, parce que c'est un des côtés que les gens ignorent,
chez des gens comme par exemple Descartes, qui était rosicrucien. Et ça, je vous invite à aller voir ce qu'est rosicrucien, et qui faisait partie d'une espèce de cabale, une espèce d'organisme spirituel inversé, parce que c'est un inversement des valeurs. Donc c'est ce que j'avais expliqué, l'inversement des valeurs, c'est le propre du satanisme. Et donc ces gens ont un mode de pensée qui est complètement différent du nôtre, et ils ont initié un mode de pensée dans nos sociétés, un courant de pensée qui est dominant aujourd'hui et qui régit pas mal des facettes de notre société et qui pose problème parce que, si vous voulez, ça va à l'encontre même de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, et c'est la chose qu'il faudrait venir rectifier. C'est pour ça que je disais que chacun de nous doit se porter acteur dans la société et dans le changement. Et je ne parle pas de changement, je parle même de retournement, de retourner à ce que nous sommes et de retourner à notre mode de pensée, et de ne pas simplement gober des idées parce qu'elles nous sont présentées comme incontournables. Voilà, donc c'était un petit peu le point de vue que je voulais préciser aujourd'hui. J'ai clairement établi que la protéine végétale en aucun cas ne pourrait remplacer la protéine animale, et que retourner à un mode de vie plus sain, un mode de vie plus en phase avec ce que nous sommes, nous permettrait de produire de la viande de qualité et de consommer correctement, sans excès, et de pouvoir éviter justement toutes les maladies chroniques inflammatoires. Parce que je le rappelle, la cause principale des maladies chroniques inflammatoires, c'est pas forcément la viande. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'ingénieur agronome Bourguignon, je crois qu'il s'appelle. Il a fait pas mal de vidéos. Il vous montre un petit peu le blé, comment on le fabrique aujourd'hui. Il vous montre un petit peu l'agriculture, ce qu'elle est devenue. Il vous montre un petit peu comment notre alimentation a été transformée et pourquoi, voilà, on se retrouve avec des gros problèmes de maladies cœliaques, par exemple, à cause du gluten. Un gluten qui a été complètement modifié, qui a été complètement transformé et qui va créer de l'irritation. Et d'ailleurs, si on le donne à manger aux bêtes et qu'on le mange après par derrière et qu'on fait notre pain avec ce même blé, il n'est pas étonnant aujourd'hui que l'on se retrouve au milieu d'une épidémie de maladies chroniques inflammatoires. Et la chose la plus drôle, c'est que ces gens-là vont produire les graines, vont produire les engrais, vont produire tout ça, et de l'autre côté, en bout de chaîne, c'est les mêmes producteurs qui vont produire les médicaments. Donc la boucle est bouclée, ces gens n'ont qu'un intérêt, l'intérêt privé, et donc voilà, je me porte en faux vis-à-vis de la grille de lecture empruntée justement par le docteur Faraday, que j'ai apprécié. Je veux dire, c'est rien contre lui, mais bon, voilà, quand on a appris à faire les choses d'une certaine manière, et c'est ce qui est paradoxal, c'est qu'on parle de réductionnisme, et quelque part, il en est imprégné, parce que tout le long, il y a même un exemple qu'il donne par rapport à Newton. Newton, son point de vue, c'est encore un point de vue réductionniste, même s'il part du point de vue observationnel où il va regarder une pomme tomber, en aucun cas, il ne va regarder la causalité de la pomme qui tombe. En aucun cas, il va chercher la cause de la cause. En aucun cas, il va chercher le pourquoi du comment. On va juste définir une règle qui est l'apesanteur, et à partir de là, on s'en tient aux règles, mais on ne va pas chercher le côté métaphysique de la chose et la cause de la cause. Et une fois qu'on a enlevé un facteur de l'équation, ben forcément on rentre dans le réductionnisme, et on n'est plus dans l'holisme, on n'est plus dans l'approche globale qui voudrait que l'on ait une intellectualité pure et une vraie réflexion qui nous mènerait à avoir de vraies réponses et une vraie philosophie par rapport à la vie. Et si on s'en tient à des gens comme Darwin ou Newton, qui avait été cité par le docteur Anthony Faraday, je suis désolé, mais on reste dans le réductionnisme. Je veux dire, venir expliquer le monde par le simple fait du Big Bang, l'évolutionnisme, etc., etc. Je veux dire, le Big Bang, si je prends toutes les pièces d'un avion, que je les mets dans un hangar, je fais péter une bombe au milieu, c'est pas pour ça que je vais avoir un Boeing. Donc c'est complètement couillon de rester sur le point de vue de dire bon, mais le Big Bang explique tout. Je suis désolé, mais une fois qu'on a expliqué le phénomène, on n'a pas expliqué la cause. De la même manière pour les atomistes, ils nous ont ramené à l'atome. Qu'est-ce qui tient l'atome? On n'a pas tout expliqué quand on est arrivé au point de l'atome. Décortiquer jusqu'au plus petit facteur une chose ne fait pas que enfin, ça reste de l'ordre de la circonférence. On n'est pas au cœur de la chose, on n'est pas dans la réflexion pure où on se pose la question sur la réelle origine des choses. Voilà, bon,
je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui dans la réflexion, mais vous l'aurez compris, voilà. J'ai toujours cette approche un petit peu holistique dans ma façon d'expliquer les choses, mais je pense que c'est important aujourd'hui de revenir à ce genre de réflexion et de prendre les choses de manière globale pour pouvoir en tirer les vraies conclusions. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour d'autres.